Salut tout le monde, c'est The Gardien et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de The Division. Donc on va choisir le perso, là la customisation est absente. Allez, on va prendre lui. Oui. Allez. Ok, donc là il y a quelqu'un mal en point. Me lâchez pas maintenant. J'ai besoin de vous. Ok. Bon, ça va, vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde, le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. Ok. Ah ouais. La ville, elle est défoncée. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Ok. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais. J'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Ok, donc là, c'est... Ouais. Là, c'est la merde. Bienvenue au quai du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Ok. Ah, c'est parti. Établir la base d'opération. Oh mais on va y aller. Ah non, là il n'y a pas trop de trucs disponibles. Allez. Ah ouais, donc là c'est vraiment le truc. Non, nous on fonce, on y va comme ça, on est des thugs. Ouais. Gosse, ça marche sur le matériel. Ok, il y a des trucs et tout. Non, mais on va directement aller à la mission. Ah, ok, il y a de nouveaux agents. Ah, c'est pas mal. Ah, ben. On va faire le tour alors. Ok, donc c'est. Ah, ouais. Ça marche comme ça. Ok, donc là il y a tous les agents qui jouent en ce moment à la bêta. Il faut savoir que le code de la bêta, je l'ai reçu très très tard. Capacité. Ok. C'est quoi ça? Pour déclencher un scan, reconnaissance, technique, c'est sécurité, bouclier, ok. Ok, non, on va mettre l'impulsion. Alors pas mal pour un début. Ouais, donc là en fait c'est New York dévasté. Ouais, donc là il y a des corps, c'est glauque. C'est vraiment un jeu que voilà, que j'attends. Quand il m'a l'air bien, il y a juste le voilà, les baisses des graphismes. Mais bon, c'est très beau hein, en soi. C'est que la bêta. Ah, carré. Ah non, c'est rond.
Ok, rond. X pour se mettre à couvert. Découvert, ok. En fait, faut aller où? Bon. On va aller à la mission là-bas. On va suivre le truc. Oh, par contre. C'était comment? Ok, voilà. On va à la mission. J'essaierai de vous faire deux vidéos, voilà. Comme c'est vraiment la fin de la bêta, je pense qu'il n'y en aura qu'une. J'essaierai de vous en faire deux. Ok. J'essaierai d'en vous faire deux. Une sur l'histoire, comme ça, et une sur la Dark Zone. Mais bon, je pense que ça sera short. Hein. Clairement, vous pouvez échanger à une menace. Appuyez rapidement deux fois. Ok. Et comment on fait pour viser? Ah, voilà. Communication radio PTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont tirés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée. Envoi des coordonnées. Attention, force hostile en approche. Par exemple, si je veux aller là, j'appuie. Ok, non, il faut que je maintienne. Ok, il faut que je continue à maintenir. D'accord. On va aller à la mission. Ok. Hop. Centrale, ici Failo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Ok. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici. Ok, bon. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Ennemi. Alerte. Connexion au canon radio JTF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Il sort de ses péchés. Monster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go. Non, on va changer d'arme. Trop loin là. Ok, bon allez.
Voilà. Soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers notre position. Ensemble, on va y arriver. Alors là, c'est la base. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en baisse. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Ok. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden, mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... C'est mort. On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Donc il faut que j'aille récupérer 3 personnes. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base. De manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. Il y a beaucoup d'hommes du LMB dans les rues autour de Grand Central. Alors Station. Comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Ah, super. Bon, essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure, ou au fait que tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous ont échoué et sont morts dans de grosses souffrances. Ça les a pas aidés de bénéficier de plus de soutien que vous. Le destin frappe au hasard, il est cruel, on peut rien y faire. Alors autant être positif. Faut quand même que je vous avoue un truc. Je préfère que ce soit... Elle tourne la tête. Ouais. En tout cas, je vous donnerai les infos, ok? Ok, voilà, bon. Je vois que dalle. Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Ok. Pour les civils. Mais pour nous aussi. On va aller là-bas. Les stocks sont limités. C'est quoi ça? Marchant. Oh non, non, mais on n'a pas le temps. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. La réserve est vide. Ok. Bon. On va sortir, on va aller voir la mission. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en okay. fais un maximum j'ai depuis ici, c'est si pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Par contre, on parle pas. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Non, tu fais pas une blague pas drôle. Bon, tant mieux. Alors, mission terminée. Ok. Mission terminée. Donc, c'est quoi la prochaine mission? Vous lui faites mal! Écoutez, moi j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous, vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un enfant en place, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous voulez que je. Ok, on va aller à la mission. Hein. Allez, cours! Cours.
sauter maintenant vers l'abri, sauter par-dessus, vous pouvez sauter par-dessus. Pendant que on va voir. Hein. On va voir. Et oui. Trouver des agents. Les sélectionner. Normal, hein, voilà, c'est bon. Ok, bah vas-y. Ok, il y a le matchmaking, hey, non. Pourquoi? Mais il y a personne qui joue. Il est 6h du matin. Oh, y en a... Allez. On va rester ici. Ah, pour couvrir c'est vos parti. Arrières. Okay. On escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Derrière. Ok. Bon allez. Hop, on ramasse. C'est bon. Hop, t'as rechargé, c'est bon. Alors là, c'est où? Ok, c'est là-bas, allez, on fonce. Hop, voilà, allez, on lance direct. Hop, on utilise le clavier, allez. Ça part. Laissez, voyons ce que je peux trouver. Ok. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ouais. Ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leur blessé. C'est là. La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Ok, bon. On va y aller. Hop. Ouais, ouais. Ah ouais, non, il faut bien se mettre. Attendez, j'essaye de voir comment on fait. Inventaire, voilà. Armure. Voilà. Sacoche, voilà. Ok, bon, je sais pas trop comment on fait. Hop, allez, prends ça, voilà. 240 munitions, c'est toujours ça. Ils sont assez nombreux, mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Hop. Voilà.
Voilà. Nouveaux éléments hostiles détectés. Oh, c'est quoi ce langage grossier? Ah oui, ça influe, la portée influe quand même vachement. En fait, faut pas du tout maintenir la gâchette, sinon l'arme elle part trop en n'importe quoi, voilà. Clairement. Mais c'est quoi ce langage grossier? Oh là là. On dirait qu'il veut crever. Ah, recharge. Attention. Nouveaux éléments hostiles détectés. Oh punaise. Ah, on va reprendre là que je préfère largement. Ah, qui est beaucoup moins grand. Ah oui, ils font mal eux. Voilà. Ça c'est fait. Les assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. Voilà. Ok, allez, on y va. Go, go, go. Apparemment, ils ont complètement saccagé le garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir les matchs ensemble. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Ah bah, il y avait une caisse. Non, je vais pas la prendre, c'est bon. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Ok, bon. Oh punaise, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, je sais que je parle pas trop, mais je suis concentré. Donc c'est chaud. Ah, oui, prends. On est censé passer par où? Ah, bah par là. Ah, voyons. Par la porte. C'est bon, vous êtes en sécurité. Je vais pas essayer de le tuer. Hein. On n'est pas comme ça. Attention, élément hostile détecté. Boom. Ah, heureusement que je l'avais repéré.
Voilà, c'est bon. En provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. Ok, sécurisez le toit, allez. Ça, on ramasse. Ok, ok, on arrive, on arrive. Allez, monte, 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 monte. Ah, carré. Ah non, rond. Ok. Je commence à prendre un peu plus les touches. Hein. Sur le jeu, c'est pas tout le temps les mêmes touches, donc voilà, c'est un peu chaud parfois. Bon, allez. Là, faut aller où? Là-bas. Ok, allez. Hop, monte, 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 monte. Nickel, allez. Escorte Alpha, on a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position? Affirmatif, elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité. Ok, donc là... Oui, bah prends-le, ta caisse. Allez. Non, les munitions, c'est bien parce que... Si on est à sec, je vois pas comment on va faire. Qu'il n'y a rien à foutre ici. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Allez, monte ta tête. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Donc, il faut savoir que ça, on peut le faire en matchmaking, c'est-à-dire... Genre t'es tout seul et tu le fais avec des gens. Sauf que moi, eh ben, je n'ai trouvé personne. Bon, à 6h du matin, hein. Oh, punaise. Ah ouais, c'était sûr, la mitrailleuse, elle a fait mal. Donc ça aurait pu largement faire l'affaire, voilà, un petit truc. Mais bon, hein. On est des bonhommes. T'es sérieux, je reprends là. Bon, je vais couper, on se retrouve quand j'aurai passé ce passage. Aucune voilà, c'est bon, j'ai réussi, allez. C'est un excellent début, hop. Agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Donc on va descendre. Hop, on va sortir. Elle a trop classe attitude. Ouais. On va finir la mission. Si on va se laisser là, ça doit faire bien une trentaine, voire une quarantaine de minutes pour un premier épisode. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc, on sort, sortie. Voilà, donc on est sorti. C'est la fin de le premier épisode de la découverte de la bêta de The Division. Voilà, sur PS4. Bon, c'est un jeu plutôt pas mal, voilà. Donc on découvrira la Dark Zone dans le prochain épisode. Parce que je pense pas avoir le temps de tous les tourner. Et bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.